Jean-François, quelle surprise. Bonjour, docteur. Mais je ne te savais pas à Paris. J'ai quitté Londres il y a 3 jours. Et combien de temps es-tu resté en Angleterre? Oh, mais plus de 3 mois. Alors, et tu parles anglais maintenant? Toujours aussi mal. Seulement, j'ai appris à aimer le thé. Quand va mon oncle, docteur? Je n'ai pas encore réussi à le voir, on m'a interdit sa chambre. Bon, enfin, j'espère qu'avec votre appui... Oh, désolé de te décevoir, mon garçon, mais nous devons lui éviter toute émotion. Ah, c'est si grave? Eh ben, à toi, je peux te dire la vérité. Le cœur de ce pauvre Edmond est usé. Nous sommes à la merci de la moindre crise. Mais il peut encore tenir quelques semaines, un mois peut-être. Le plus terrible à constater, c'est qu'il n'a pas envie de vivre. C'est affreuse. Je ne savais pas que c'était à ce point-là. Non, je pensais qu'il pourrait assister au mariage de Pierre. Pas un mot à ton cousin, naturellement. Je ne voudrais pas assombrir sa joie. Je l'ai eu avant-hier au téléphone, je lui ai assuré que l'état de son père était stationnaire. Ce qui signifie pas grand-chose. Enfin, l'important est qu'il se doute de rien. Je ne vous trahirai pas, docteur, soyez tranquille. Quand vas-tu le retrouver? Je prends le train dans 1 heure, je serai là-bas pour dîner. Tu connais sa fiancée? Isabelle Lafont, non. Non, Pierre l'a rencontrée pendant mon séjour en Angleterre. Elle était venue à Paris pour visiter le salon des arts ménagers. Le vrai coup de foudre, paraît-il. Mais Pierre m'a beaucoup parlé d'elle dans ses lettres. Ravissante, 22 ans. Et elle est orpheline, on m'a dit. Oui, oui, elle vit à Châteaudun avec sa jeune sœur Cécile et sa tante. Pierre aurait tout de même bien pu se marier à Paris. C'est Isabelle qui a décidé que la cérémonie aurait lieu à Châteaudun, dans l'église où elle a été baptisée et où plus tard elle a fait sa première communion. Ce doit être une sentimentale. Pierre a cédé, naturellement. Il a toutes les excuses du monde puisqu'il est amoureux. Oh, toi, tu le défendras toujours. Mais Pierre est plus que mon cousin, c'est presque mon frère. N'oubliez pas que nous avons été élevés ensemble. Et c'est pour quand, ce mariage? Dans 3 jours. Dans 3 jours, vendredi, alors? Oui. Bon, je vais noter ça sur mon agenda afin de passer à envoyer un télégramme de félicitations à Pierre. Quand je pense que j'ai mis ce petit au monde... Ce petit a maintenant 25 ans. Mais oui. Et toi? Eh bien, bientôt 24. Eh, comme le temps passe. Je revois encore en culotte courte. Vous étiez inséparables. Mais nous le sommes toujours. C'est la première fois que nous nous quittons. Et ce lâcheur de Pierre en profite pour se fiancer derrière mon dos. Eh ben, ton tour viendra. Oh, le plus tard possible, je suis pas pressé. Qu'est-ce que tu as fait depuis ton retour? Bon, j'ai tourné en rond. Je suis allé au théâtre, au cinéma, mais sans aucun plaisir. Je ne sais pas si c'est l'absence de Pierre ou la maladie de mon oncle, mais je trouve Paris sinistre. Tout ira mieux à Châteaudun. J'espère bien. Où habiteras-tu? Dans la future famille de Pierre. Sa fiancée m'a très gentiment invité. Eh ben, je te souhaite bon voyage. Qu'une trace de Pierre, c'est curieux. Je vous demande pardon. Vous êtes bien Monsieur Vallard? Oui. Et vous, Mademoiselle Isabelle Lafont? Non. Non, je suis sa sœur, Cécile. Ah, je suis très heureux de vous connaître. Je vous ai reconnue grâce à une photographie que votre cousin m'a montrée. Mais vous êtes venue seule? Oui, vous n'ignorez certainement pas que le père de Pierre est malade. Oui, je le sais, en effet. C'est un type formidable. Il a toujours mené sa barque avec une lucidité et un courage extraordinaires. Imaginez-vous qu'après la guerre... Mais vous ne m'écoutez pas. Mais si, mais si. Non, je ne vous en veux pas. Dès que je parle de mon oncle, je me sens des dons d'orateur. Je lui dois tellement. Oui, mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'étais tout gosse et c'est lui qui m'a recueilli. Il m'a élevé comme son propre fils. Et même... Tenez, voilà que je recommence. Je suis incorrigible, pardonnez-moi, mademoiselle. Vous semblez aimer beaucoup votre oncle. Oh, énormément. Mais dites-moi, Châteaudun a tout à fait l'air d'une grande ville. Hein? Oh, vous pensiez que c'était un village? Non, mais un petit trou de province, et au contraire. Non, notre maison est juste à gauche, là, tout au bord de cette promenade qu'on appelle le Mail. Que d'arbres! Mais ce sont des marronniers. On ne voit pas grand-chose. Hein? Mais le quartier est très mal éclairé, en effet. Ma tante multiplie les pétitions à ce sujet, mais sans aucun résultat. Vous avez été très gentil de venir m'attendre à la gare. Mais j'avoue que j'espérais y trouver mon cousin. Bien entendu. C'est que... Enfin, il n'a pas pu. Oui, il avait mieux à faire, mais ça je comprends. Non, c'est pas ça. Ah, il m'expliquera lui-même. Je ne sais pas s'il pourra. Pourquoi, l'amour l'a rendu muet? Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous semblez bizarre. Moi?
Oh non, non, je vous assure. Enfin, Pierre serait-il souffrant? Non, je ne crois pas. Mais vous n'en êtes pas sûr. Eh bien, si. Alors, n'aurait-il pas envie de me voir? Donc, allez-vous imaginer, ce n'est... Mais alors, pourquoi n'est-il pas venu me chercher au train? Ma sœur vous le dira. Enfin, écoutez, mademoiselle, il m'est difficile de ne pas m'étonner de votre attitude. Ne me posez plus de questions, je vous en prie. Comme vous voudrez. Bonsoir. Oh, Sandrine, sois gentille. Débarrasse M. Ballard de son imperméable et de sa valise. Merci. Où est tante Élise? Dans la salle à manger. Venez avec moi, M. Ballard, je vais vous présenter à ma tante. Cécile, tu es rentrée? Oh, tante Élise. Ah, voici M. Ballard, le cousin de Pierre. Très bien. Mademoiselle, je tiens à vous remercier de bien vouloir m'offrir l'hospitalité. Oh, mais c'est tout naturel, cher monsieur. Le voyage ne vous a pas trop fatigué? Oh, 2 heures de train, ce n'est pas la mort. Non, 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 bien sûr. Pierre n'est pas là. Non, eh bien non, voyez-vous, pas pour le moment. N'est-ce pas, Cécile? Oui, je vais vous conduire, Monsieur Ballard, auprès d'Isabelle. Eh bien, c'est ça, c'est une excellente idée. Ta sœur est dans sa chambre. Si vous voulez bien me suivre, Monsieur Ballard. Mm-hmm. Voilà. Sandrine vous appellera pour le dîner. Hein? À tout à l'heure, mademoiselle. À tout à l'heure. Oh, ben, il a l'air très sympathique, ce jeune homme. Ah, ne commencez pas à rêver. Et pourquoi à rêver, s'il te plaît? Il ne remplacera pas son cousin. Mais ne sois pas stupide, Sandrine. Toute cette histoire n'est qu'un malentendu. Un malentendu qui dure depuis 24 heures. J'appelle ça une catastrophe. Non, moi. Toujours les grands mots. Il faut savoir regarder les choses en face. Monsieur Pierre ne reviendra pas. C'est ce que tu souhaites, hein? Tu l'as toujours détesté? Oh, pas du tout. Je le trouve même très bien. Mais Isabelle est faite pour épouser Christophe, son ami d'enfant. Mais c'est Pierre qu'elle aime. Ça changera peut-être. Oh, ma pauvre Sandrine. Il y a vraiment des jours où tu es exaspérante. A-t-on livré la robe d'Isabelle? Oui, elle est là. Bon. Toute blanche, toute belle. J'espère que vous ne serez pas obligé de la faire teindre. La faire teindre? Oui, en noir. Monsieur Ballard, voici ma sœur. Isabelle. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mademoiselle. Il sait rien encore. Bon, bien, je vous laisse. Oui. Merci, tu es gentil. Monsieur, vous devez penser que nous avons du goût pour le mystère. Mais nous ne pouvons vous cacher la vérité plus longtemps. Votre cousin a disparu. Disparu? Oui. Depuis quand? Hier après-midi, vers 6 heures, il m'a annoncé qu'il avait une course à faire. Il a pris sa voiture et je ne l'ai pas revu. C'est incroyable. Et tellement peu son style. Et êtes-vous certaine qu'il n'a pas eu d'accident? Oh, je me suis discrètement renseignée à la gendarmerie, à l'hôpital. Aucun accident n'a été signalé. J'ai même téléphoné à Paris chez votre oncle. Quoi? Sans me nommer, bien sûr, de crainte du scandale. Personne n'avait vu Pierre non plus. Pour être franche, je n'ai vraiment commencé à m'inquiéter qu'aujourd'hui. Jusque-là, je pensais qu'ayant appris que l'état de son père s'était brusquement aggravé, Pierre avait fait un saut à Paris et rentrerait dans la nuit. Mais ce matin, sa chambre était vide. Et ses affaires? À leur place. Vous êtes en train de vous demander si Pierre n'a pas pris la fuite. La fuite? Oui, pour ne pas m'épouser. Oh, je ne songeais pas à cela. Je suis absolument sûre de ses sentiments. Comme il peut l'être des miens. Enfin, vous ne vous êtes pas, je ne sais pas moi, un peu disputé? Non. Et comment était-il quand il vous a quitté? Oh. J'étais en train de déballer mes cadeaux, j'avoue que je n'ai pas fait très attention. Oui. Mais il m'a tendrement embrassée avant de sortir. Et vous n'avez pas averti la police? Non, non, pas encore. En dehors de ma sœur, de tante Élise et de Sandrine, personne n'est au courant de la disparition de Pierre, naturellement. C'est pourquoi je n'ai pas voulu me montrer à la gare. Bien sûr. À Châteaudun, tout le monde se connaît. Les gens auraient pu s'étonner de ne pas voir mon fiancé à mes côtés. Mmh. Et puis, j'espérais aussi un miracle. Je me disais que vous ramèneriez peut-être Pierre avec vous. Oh, je ne comprends plus rien.
Où peut-il être? Que peut-il faire? Je sais pas, moi, je cherche une explication possible, mais... J'ai fait que ça toute la journée. J'ai imaginé les choses les plus folles. Que Pierre avait une maîtresse et que celle-ci, désespérée par notre mariage, avait tenté de se suicider. Ou que son père lui avait ordonné d'épouser une autre fille. Que sais-je? Je connais Pierre, c'est le garçon le plus droit et le plus honnête qui soit. Il est incapable de vous faire le moindre mal ou de vous mentir. Mais alors? Je vous l'ai déjà dit, c'est un accident de voiture, c'est l'hypothèse la plus vraisemblable. Oh. Nous devons prévenir la police, voyons. Tante Élise s'y refuse absolument, elle a peur du qu'en dira-t-on. Je suis désolé, mademoiselle, mais la vie de Pierre me semble plus importante que la réputation de votre famille. J'y vais immédiatement. Nous n'avons déjà que trop perdu de temps. Oui, je vous accompagne. Inutile de donner prise au ragot, votre tante ne me pardonnerait pas. Non, je me débrouillerai bien sans vous. Indiquez-moi seulement le chemin. Bon. Alors. Après le mail, vous prendrez la première rue à gauche et vous marcherez tout droit jusqu'à la place. Le commissariat est juste à côté de la mairie, vous ne pouvez pas vous tromper. Très bien, alors maintenant faites-moi sortir discrètement. Si votre tante vous interroge, dites que je suis allé acheter des cigarettes. Oui, très bien. Isabelle, je vais servir. Sandrine, attends un moment, oui. S'il te plaît. Monsieur Vallard est allé acheter des cigarettes. Hein? Voilà du nouveau. T'es sûr qu'il a pas pris la poudre d'escampette comme l'autre? Oh, je te fais grâce de tes réflexions. En tout cas, dans le noir, il va certainement se perdre. Oui, tu as raison. J'aurais dû lui donner une lampe électrique. Tiens, bon sol. Ça ne peut pas être déjà Monsieur Vallard. Oh, si c'était Pierre. Sandrine, qu'attends-tu pour aller ouvrir? Ah, ben, j'y vais. C'est moi. Monsieur Vallard, que vous est-il arrivé? Vous êtes couvert de sang. Eh ben demain, vous aurez un bel œil au beurre noir. Votre imperméable est déchiré. J'ai été attaqué juste en sortant d'ici. Oh, par qui? Mais comment voulez-vous que je le sache? C'est pas moi, un type costaud et qui sait se battre, c'est tout ce que je peux vous dire. Sandrine, va vite chercher de quoi penser, monsieur Vallard. Ce qui me console, c'est que mon agresseur ne doit pas être plus agréable à regarder que moi. Il ignorait heureusement que j'ai fait du judo. Vous avez vu son visage? Non, il faisait trop sombre. Pensez-vous qu'il voulait vous tuer? Oh non, me corriger tout au plus. Voilà de l'eau oxygénée et de la gaz. Merci. Merci. Il y a tout de même un détail curieux dans cette histoire. Et au cours de la bagarre, ce type m'a crié « Isabelle est à moi ». Ah, dans le noir, il vous a pris pour Monsieur Pierre. Il, qui ça, il? Eh ben, mais... Ah, vous le connaissez, ne dites pas le contraire. Et vous aussi, mademoiselle? Mais non, je vous assure. Allons, ça crève les yeux, voyons. Si vous ne voulez pas parler, je mettrai la police au courant de l'agression. On doit pouvoir assez facilement retrouver un type dont le visage est en compote. Oh, ce ne sera pas nécessaire. Il s'agit certainement de Christophe Gauthier. Qui est-ce? Un ami d'enfance. Il voulait épouser Isabelle et il est jaloux. Et puis, c'est un coléreux. Eh bien, Sandrine, estimée. Oh, mon Dieu! Monsieur Vallard! Vous êtes-vous blessée? Christophe l'a pris pour Monsieur Pierre et lui a sauté dessus. Ce garçon est un fou dangereux, je l'ai toujours dit. Mais comme tu dis toujours n'importe quoi, je t'en prie, Cécile, c'est pas le moment de se disputer. Mais Christophe souffre, il faut le comprendre. Ah, moi, je suis de l'avis de Cécile. Monsieur Vallard, je suis vraiment désolée de ce qui vient d'arriver. Mais vous n'y êtes pour rien, mademoiselle. Enfin, du moins, j'espère. Pensez-vous pouvoir manger quelque chose? Oui, mais plus tard. Je dois d'abord me rendre au commissariat signaler la disparition de Pierre. Au commissariat? Mais vous n'y songez pas! Mais que vous me pensez... Si, tante Élise. Je me sens coupable de ne pas l'avoir fait plus tôt. Cette fois, je vais avec vous, monsieur Vallard. Mon Dieu, dans une heure, toute la ville sera au courant. Monsieur Vallard, ne parlez pas de Christophe au commissaire, je vous en prie. Je ne sais pas encore. Sœur Cécile ne serait-elle pas un peu amoureuse de mon agresseur? Oui, en effet. Sentiments non partagés, bien entendu. Oh. Christophe est amoureux de moi depuis le collège. Je ne l'ai pourtant jamais encouragé. Et il vous a demandé de l'épouser? Plus de 1000 fois. Mais je le considère comme un frère. Vous lui avez présenté Pierre? Oui, le jour de son arrivée ici. Et il l'a immédiatement détesté. Oh. Il le détestait avant de le connaître. Mais pourquoi toutes ces questions? Je me renseigne, c'est tout. Cécile est amoureuse de Christophe, et qui est amoureux de vous. Mais vous ne pensez tout de même pas qu'il pourrait être mêlé à la disparition de Pierre? Pourquoi pas? C'est un violent, un impulsif. Et... Oh, c'est ridicule. D'ailleurs, l'agression dont vous venez d'être la victime l'innocente entièrement. Croyez-vous? Enfin, réfléchissez, il vous a pris pour Pierre, c'est donc qu'il le croyait à la maison. Alors, cela ne prouve absolument rien, imaginez que votre ami Christophe ait quelque chose à se reprocher. Et alors? Il a tout intérêt à me sauter dessus, prétextant après la bataille qu'il m'a pris pour mon cousin. Dans quel but? Ne pas être soupçonné.
Oh, Christophe est incapable d'une mauvaise action. Je m'en suis aperçu. Oui, c'est vrai. Oh. Oh, je vous demande pardon, mais... j'ai l'impression que tout s'écroule autour de moi. Je ne suis plus sûre de rien. C'est une sensation horrible. Oh, Pierre, Pierre, où es-tu? Il reviendra, j'en suis persuadée. Oui, vous avez raison, je n'ai pas le droit d'en douter. J'aperçois le commissariat, j'espère que nous y trouverons encore quelqu'un à cette heure-ci. Non, n'y allons pas. Comment? Monsieur Vallard, il me vient brusquement une idée. Supposez un instant que Pierre ait fait une bêtise. Une bêtise? Oui, ne faites pas semblant de ne pas comprendre. Voyons, une mauvaise action, un vol, pire, je ne sais pas. Pierre? Vous plaisantez. Mais qu'en savez-vous? Il est peut-être victime d'un chantage, on l'a peut-être poussé à bout. Bon, admettons-le. Ne risquons-nous pas de lui attirer de graves ennuis en mettant la police sur sa piste? Cela équivaudrait à une dénonciation. Alors selon vous, notre silence assure sa protection? S'il est coupable, oui. Mais s'il est innocent et qu'il soit en danger, nous le condamnons, nous taisons. Oh, je ne sais plus. Mademoiselle, vous avez parfaitement le droit de cacher à la police la disparition de votre fiancé, mais moi j'ai le devoir de lui signaler celle de mon cousin. Entrez. Avez-vous tout ce qu'il vous faut, monsieur Vallard? Oui, merci, mademoiselle. Vous ne souffrez pas trop de vos blessures? Ah non, c'est plus spectaculaire que douloureux, vous savez. Oui, bien sûr. Bon, eh bien, je vais vous laisser vous reposer. Un regret, semble-t-il. Vous n'avez pas de questions à me poser? Oh, si, naturellement. Voyez-vous, monsieur Vallard, depuis plusieurs années, je sers de mère à mes deux nièces. C'est un rôle auquel je n'avais pas été préparée. Je fais de mon mieux, mais il m'arrive souvent d'être dépassée par les événements. Quand Isabelle m'a présenté votre cousin, j'ai été aussitôt conquise par sa gentillesse et sa parfaite éducation. Son air sérieux aussi. Le mariage a été décidé très rapidement, trop rapidement sans doute, et je m'en veux de ne pas avoir imposé au moins 6 mois de fiançailles à ma nièce. Peut-être lui aurais-je évité de chagrin, cette angoisse aujourd'hui. Je ne pense pas que vous puissiez sérieusement vous reprocher quoi que ce soit, mademoiselle. Et si j'ai décidé de vous confier mes craintes, c'est que vous êtes ici la seule personne à connaître vraiment Pierre. Ça, je le connaissais bien qu'il m'était impossible d'expliquer et même de comprendre sa conduite. Oui. Ne croyez-vous pas que votre cousin ait pu être déçu par notre accueil? Qu'il se soit ennuyé à Châteaudun? On ne s'ennuie jamais avec la jeune fille qu'on aime. Bien sûr. Et Pierre est amoureux, cela ne fait aucun doute. Je me souviens encore des lettres où il me parlait de votre nièce. Mais depuis quand habite-t-il avec vous? 12 jours. J'avoue que j'aurais préféré qu'il s'installe à l'hôtel. À cause des gens, bien entendu. Mais les petites ont tellement insisté que j'ai fini par accepter de le recevoir, de crainte de ne pas être à la page, comme on dit. C'est un remords supplémentaire. Je m'empresse d'ajouter que la conduite de votre cousin m'a donné entière satisfaction. Et tous les amis auxquels je l'ai présenté ne m'en ont dit que du bien. Même Christophe Gautier? Oh, ça, je ne le reçois plus. Tiens, pourquoi? Mais il ne cessait d'importuner Isabelle, de la menacer aussi. C'était extrêmement désagréable. Je pense que c'est une piste à ne pas négliger. Une piste? Et que voulez-vous dire? Mademoiselle, jusqu'à ce que je sois attaquée sur le mail, je croyais fermement que Pierre avait eu un accident de voiture. Mais maintenant, mon point de vue est différent. Pour moi, il existe 2 possibilités. Ou Pierre a décidé de fuir pour une raison que nous ignorons, ou on l'a fait disparaître. Mon Dieu, je n'avais pas songé à cela. Entrez. Oh, Cécile, que viens-tu faire à cette heure dans la chambre d'un jeune homme? Oh, je t'en prie, tante Élise, pas de morale. J'ai réparé votre imperméable, monsieur Vallard. Merci, mademoiselle, mais ce n'était pas si pressé. Je n'aime pas les choses qui traînent. Regardez, la déchirure est invisible. Bon, mais c'est très bien. Alors, va te coucher maintenant, ma chérie, hein, il est très tard. Je n'ai pas sommeil. Isabelle non plus, d'ailleurs. Elle ne cesse de pleurer. Oh, la pauvre petite. Bon, ben, je vais aller la voir. Alors, bonne nuit, monsieur Vallard. Hein? Bonne nuit. Allez, viens, Cécile. Oui, je te suis, sois sans crainte.
Eh bien, je suppose que vous désirez être rassurée sur le sort de votre ami Christophe, mademoiselle Cécile. Vous n'en avez pas parlé pendant le dîner, mais il était clair que vous ne pensiez qu'à ça. Avez-vous porté plainte contre lui? Non. Êtes-vous contente? Je le serai quand il m'épousera. Vous feriez n'importe quoi pour cela, n'est-ce pas? Peut-être. Il me prend toujours pour une enfant. Il me regarde à peine. Mais un jour, il s'apercevra que je suis une femme. Que je suis la femme qu'il lui faut. Et personne ne le comprend mieux que moi. Personne ne pourra le rendre plus heureux que moi. Mais ce n'est pas moi qu'il faut convaincre. C'est Monsieur Gouthier. Bonjour, Monsieur Valla. Bonjour, Mlle Sandrine. Vous allez prendre du lait avec votre café, non? Oui, très peu. Voilà, beaucoup de café, c'est beau. Merci. Bon. Oh, ben dites donc, il n'est pas beau, votre œil, ce matin, hein? Je vous avais prévenu. Quoi de neuf, ce matin? C'est plutôt à moi de vous demander ça. Oh, ben, moi, je n'ai pas bougé de mon lit. Ben, je vais parler d'hier soir. Qu'a dit Monsieur le commissaire? Comment, vous l'ignorez, vous? Ça m'étonne de vous. Mademoiselle Élise et les petites sont enfermées chacune dans leur chambre. On ne peut pas leur tirer trois mots. Alors, je me suis rabattue sur vous. Très flatté, mais vous allez être déçu. Mis au courant de la disparition de Pierre, le commissaire m'a promis de se renseigner discrètement. Ah, ça, pour la discrétion, j'ai vu ça, oui. Il n'y a pas une heure, comme je faisais les courses, tous les commerçants m'ont parlé de Monsieur Pierre. Sans oublier le téléphone, il sonne sans arrêt. Soyez sincère, mademoiselle Sandrine. Au fond, vous seriez ravie si ce mariage n'avait pas lieu. Ah, c'est vrai. C'est toujours ce que je pense, moi. Christophe est tout à fait le mari qu'il faut à Isabelle. Un jour, elle le comprendra. Mais c'est mademoiselle Cécile qui est amoureuse de lui. Tiens, vous avez découvert ça, vous. On se prend bien sérieux chez Cécile, elle s'amuse. Et puis, de toute façon, dans une famille, il faut que ce soit l'aînée qui se marie la première. Avez-vous parlé de Christophe au commissaire? Oui. N'auriez pas dû. Enfin, ça vous regarde. Et ce Christophe, quel est son métier? Il est dans l'immobilier. Il a une agence, rue Gambetta. Ah. Et vous, c'est quoi votre métier? J'écris. Ah oui, vous ne faites rien, quoi. Comme votre cousin. Christophe, lui, il travaille vraiment. Ah, ça sera un bon mari. Mlle Sandrine, je crois que les occupants de cette maison n'ont pas de secret pour vous. Et je vous soupçonne aussi d'en savoir un peu plus long que vous ne voulez en dire. Et après? N'auriez-vous pas une petite idée de ce qui a pu arriver à mon cousin? Ah non, bien vrai. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il adorait sa fiancée. Ah, c'est mademoiselle Isabelle. Monsieur Valla. Que se passe-t-il? Le commissaire vient de téléphoner, on a retrouvé la voiture de Pierre. Seulement la voiture? Hélas, oui. Mais où ça? À Chartres, devant la gare. Elle était là depuis lundi soir, paraît-il. Un employé l'avait remarqué. Oh, c'est un cabriolet grand sport rouge, passe rarement inaperçu. Chartres, t'as combien de kilomètres? Une quarantaine. Vous y avez des parents, des amis? Non, non, personne. Ah. Eh bien, alors nous ne sommes guère plus avancés. Si. Si, j'ai la certitude qu'il est vivant maintenant. Il est allé à Chartres, et là, il lui est arrivé quelque chose. Mais quoi? Une crise d'amnésie? N'a-t-il jamais été gravement malade? Non, non. Il a pu être attaqué par des voyous. Mais si on lui avait volé sa voiture? Pierre a pu être la victime d'un autostop. Cécile, on a retrouvé la voiture de Pierre devant la gare de Chartres. C'est qu'il est vivant? Vous voyez, Monsieur Valard, Cécile pense comme moi. Nous ne pouvons pas nous tromper. Pierre a certainement des amis à Chartres. Il est allé leur rendre visite et c'est chez eux qu'il s'est produit un accident. Oui. Je connais tous les amis de Pierre, d'ailleurs il en a très peu et aucun n'habite Chartres. Monsieur Valard, combien de temps êtes-vous resté à Londres? Trois mois, pourquoi? Pendant ces trois mois, Pierre a rencontré Isabelle. Il a pu aussi se faire de nouveaux amis. Enfin, il me l'aurait écrit, il ne me cache rien. Alors, s'il ne vous cache rien, vous devez savoir où il est. Ne soyez pas ridicule. Si je le savais, vous le sauriez aussi. Je voudrais voir M. Christophe Gouthier. De la part de qui? Jean-François Valard. Un instant, s'il vous plaît. Père, ici, monsieur. Oui. Voilà. Bonjour, monsieur Valard.
Je vous dis tout de suite que je comptais vous rendre visite dès ce soir, afin de m'excuser. Et moi, je vous dis tout de suite que j'ai mis la police au courant de notre petit match. Était-ce indispensable ? Absolument. Quand on vient signaler une disparition avec une tête de boxeur KO, on n'inspire guère confiance. Ouais, je comprends. Oui. Aussi, ne vous étonnez pas si on vient vous poser quelques questions du genre de celle-ci. Où étiez-vous lundi soir ? Avez-vous des nouvelles de votre cousin ? Aucune. J'ai appris ce matin sa disparition. Vraiment ? Ben, oui, comme tout le monde. Naturellement, vous n'avez pas vu Pierre lundi soir. Non, quelle idée ? Mais étant donné que vous rôdiez autour de la maison mardi soir, vous auriez très bien pu exercer aussi votre surveillance la veille. Mais je ne l'ai pas fait. Prouvez-le. De quel droit m'interrogez-vous ? Cher monsieur, je débarque à Châteaudun pour assister au mariage de mon cousin. On m'annonce tout d'abord sa disparition, puis une heure plus tard, on tente de me casser la figure. Il me semble que tout cela m'autorise à me mêler un peu de ce qui ne me regarde pas. Oui ? Monsieur Gauthier, c'est ce monsieur qui est déjà venu lundi pour acheter le domaine de la Martinière. Ah, je vous demande un instant, monsieur Vallard. Je vous en prie, les affaires sont les affaires. On dirait que ça rapporte l'immobilier. Le bureau a de la gueule. Non, ça, le cendrier, c'est un gant de boxe miniature, naturellement. Bon, voilà. Au revoir, monsieur. Alors, où en étions-nous ? Je vous demandais ce que vous aviez fait lundi soir. Rien qui puisse vous intéresser. Soupçonnez-vous réellement d'avoir kidnappé votre cousin ? On n'est peut-être pas à l'air, mais je suis très inquiet à son sujet. Pierre est un garçon raisonnable, posé, très confiant. Une victime toute désignée pour un type sans scrupules. Ou un escroc. C'est l'opinion que vous avez de moi. Je n'ai pas dit ça. Mais je me méfie de tous et de toutes. Si l'occasion vous avait été donnée de faire retarder le mariage, l'auriez-vous saisi ? Non. Vous mentez ! Car si vous m'avez vraiment pris pour Pierre hier soir, il est hors de doute qu'en lui cassant la figure, vous désiriez le contraindre à garder la chambre pendant plusieurs jours, donc de repousser la cérémonie. Et vous y seriez parvenu ! Car Pierre est beaucoup moins fort que moi. Je n'ai pas songé à cela, je vous assure. J'étais comme enragé, je souffre. Mais admettons ! Combien de fois avez-vous rencontré mon cousin ? Isabelle nous a présenté le jour de son arrivée. J'avoue que je n'ai pas desserré les dents. Puis, nous sommes croisés une ou deux fois dans la rue, mais sans nous saluer. Mais puis-je vous poser une question à mon tour ? Allez-y. Se pourrait-il que votre cousin ait brusquement décidé de ne pas épouser Isabelle ? Je l'avais envisagé, mais je suis maintenant certain du contraire. Pourquoi ? On vient de retrouver sa voiture devant la gare de Chartres. Il n'a donc pas quitté la région. Et vous ne disiez rien ? Je n'avais pas à le faire. Un mot encore. Que savez-vous de Cécile Lafont ? Rien. C'est une gamine. Elle a 18 ans et elle est folle de vous. Elle le croit, mais ça lui passera. Peut-être. Mais pour le moment, elle est prête à tous les sacrifices pour assurer votre bonheur, fût-ce aux dépens du sien. Ce qui signifie ? Elle veut que vous soyez heureux. Elle a donc très bien pu manœuvrer pour éloigner Pierre, vous permettant ainsi de tenter de nouveau votre chance auprès d'Isabelle. Ça me semble bien compliqué. Oh, les jeunes filles ne sont jamais simples, cher monsieur. À bientôt. Monsieur Vallard. Mademoiselle Lafont. Je vous ai aperçu de loin. Vous êtes allé rendre visite à Christophe. Oui, j'avoue que j'ai toujours un doute à son sujet. M'a-t-il réellement pris pour Pierre le soir où il m'a attaqué ? J'ai essayé de lui tendre des pièges, mais en vain. Le mystère reste entier. Moi, je suis passée au commissariat, j'ai pas pu m'en empêcher. Du nouveau ? Non. Alors quelle est leur théorie ? Ils sont très prudents. Ah oui, bien sûr. Je crois qu'ils penchent pour la fugue. Sure. Ils ont été très gentils avec moi, trop gentils. Oh, c'était presque insupportable. Je sais que je n'aurais pas dû y aller, mais vous comprenez, il fallait que je fasse quelque chose. Je ne peux pas rester dans ma chambre à tourner en rond en imaginant le pire et à sursauter chaque fois que le téléphone sonne. Oh, je suis heureuse de vous rencontrer. Il n'y a qu'auprès de vous que je trouve un peu d'apaisement. Certainement parce que vous êtes le cousin de Pierre. Votre famille ne vous aide aucun secours. Tante Élise ne cesse de se lamenter sur ce que vont dire ou ne pas dire les gens. Sandrine, elle au moins, a le mérite de jouer franc jeu. Elle désire que j'épouse Christophe et pas un autre. Et votre sœur ? Depuis quelques jours, elle est terriblement nerveuse, agressive. Oui, mais je l'ai remarqué moi aussi. Alors, au début, je pensais qu'elle faisait l'intéressante. Toute heureuse d'être mêlée à une énigme et d'y jouer un rôle. Et maintenant, je me pose des questions. Elle a beaucoup d'affection pour moi, mais
je sais tout de même qu'elle m'en veut, de l'amour que me porte Christophe. Oh, et puis, il y a autre chose. Oh, c'est stupide. Je ne devrais peut-être pas en parler, mais je sens une menace sur la maison. Une menace? Oui. Oui, il me semble que nous sommes à la veille d'une catastrophe. Et j'ai peur. Mademoiselle a bien dormi. Tu plaisantes, Sandrine? J'ai à peine fermé l'œil. Et pour faire d'horribles cauchemars encore. Une noce sans mariée, des invités goguenards, Isabelle en larmes. C'est pas un cauchemar, c'est de la prophétie. Cette histoire finira par me rendre folle. Sans compter que nous sommes la risée de tout le voisinage. Pourvu tout de même qu'il ne soit rien arrivé de fâcheux à ce garçon. Oh, ça saurait déjà. Les mauvaises nouvelles vont vite. Hier, on a retrouvé sa voiture. Avec un peu de chance, c'est lui qu'on retrouvera aujourd'hui. Mais le mariage pourra avoir lieu. Il aura lieu. Sinon, tu imagines le désastre. Le déjeuner de 30 couverts, les fleurs, les demoiselles d'honneur. Oh non, 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 je refuse de penser à tout ça. Ah, vous avez raison, on verra bien demain. Mais je n'ose même plus regarder Isabelle. Mais c'est vrai qu'elle a une peau figure. Oh là là. Et Cécile aussi, d'ailleurs. Mais c'est bien naturel, elle partage le chagrin de sa sœur. Si on veut, moi... Je crois plutôt qu'elle a peur de la voir se consoler avec Christophe. Ah, ne me parle plus jamais de cette brute! Je ne peux pas le supporter! Monsieur Valard a été bien bon de ne pas porter plainte contre lui. Ah, encore ce maudit téléphone. Allô? Comment? Monsieur Valard? Oui? Oui, une seconde. Sandrine, préviens Monsieur oui. Valard qu'on le demande. Hein? Bon. Ne quittez pas, monsieur, je l'ai envoyé chercher. Monsieur Valard. Qui est-ce? La personne ne s'est pas nommée. Ah. Je ne sais pas. Allô? Allô, c'est moi, oui. Ah, bonjour, monsieur le commissaire. Quoi? Oh, c'est affreux. Mon Dieu. Très bien. Très bien, je vous attends, oui. À la sortie du mail, dans 5 minutes. Oui. Entendu. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes tout pâle. On a retrouvé Pierre. Oh, au bord du Loir, dans un champ. Oh. Et il est... Oui. Il est mort. Inspecteur Jaubert, croyez à toute ma sympathie, monsieur Valard. Merci, monsieur inspecteur. Qui a découvert le corps de mon cousin? Un paysan qui passait par là, très tôt dans la matinée. Le pauvre ne s'en est pas encore remis. D'après les premières constatations du médecin légiste, monsieur Pierre Valard a été poignardé lundi soir entre 10h et minuit. Mais pourquoi l'a-t-on tué? Ah, pas pour le voler, nous avons retrouvé sur lui une grosse somme d'argent. Il s'agirait donc d'une vengeance. C'est l'hypothèse la plus vraisemblable. D'autant que l'assassin a frappé plusieurs fois comme s'il s'était acharné sur sa victime. Est-ce qu'on a retrouvé l'arme? Non. Votre cousin avait-il des ennemis? Pas à ma connaissance. Enfin, du moins, à Paris. Mais je ne l'avais pas vu depuis 3 mois, j'étais à l'étranger. Il m'a souvent écrit, il semblait très heureux, nullement inquiet. Nous étions très liés. S'il avait eu le plus petit ennui, je suis certain qu'il m'en aurait fait part. Mmh. Eh bien, voici ce que nous avons trouvé dans ses poches. Un mouchoir, une paire de gants, de la monnaie, des cigarettes, un briquet. Ici, 2500 francs en billets et un portefeuille contenant ses papiers et quelques photographies. Je n'ai pas encore eu le temps d'examiner. Monsieur, se représente le père de Pierre, qui est aussi mon oncle. Mmh. Ah là, c'est Isabelle Lafonce. Ici, c'est Pierre, en uniforme. Tiens. Qu'est-ce que vous avez découvert, monsieur l'inspecteur? Une coupure de journal entre 2 photos. Est-ce important? Peut-être, je vous le dirai plus tard. Bon, maintenant, je suis obligé de vous quitter. Thank you.
Monsieur Gautier. Qu'avez-vous fait lundi soir? Je vous l'ai déjà dit, j'ai fait visiter une propriété à l'un de mes clients. L'adresse de cette propriété? La Martinière, route de Savenay. À 4 km de Chartres. Exactement. Oui. À quelle heure avez-vous quitté votre client? 8h30. Et vous êtes revenu directement à Châteaudun? Oui. Ensuite? J'ai dîné et je me suis couché avec un livre. Quelqu'un vous a-t-il vu rentrer chez vous? Non. Donc, pas de témoin? Aucun. Quelles étaient vos relations avec la victime? Mauvaises, tout le monde le sait. Mais encore? Mademoiselle Lafont nous a présenté l'un à l'autre il y a une quinzaine de jours. Et depuis? Rien. Savez-vous si Pierre Vallard avait l'intention de s'installer dans la région une fois marié? Je l'ignore. Vous faites un effort. Il est possible que Mademoiselle Lafont m'en ait parlé. J'ai oublié. Si Pierre Vallard avait décidé d'acheter une propriété, se serait-il adressé à vous? Certainement pas. Auriez-vous refusé de vous occuper de lui? Oui. Alors comment expliquez-vous le fait que l'on ait retrouvé dans son portefeuille une publicité découpée dans le journal de lundi et vantant les charmes d'une propriété, précisément celle que vous avez fait visiter le soir du crime? Je n'ai rien à expliquer. Je vais vous la lire. La très belle propriété à vendre, proximité Chartres, 22 hectares, s'adresser à Agence Gautier, 7 rue Gambetta, Châteaudun. Oui, je la connais, c'est moi qui l'ai rédigée. Mais Pierre Vallard avait la réputation d'un garçon loyal et d'une grande bonté. Et alors? Eh bien, supposons que dans la louable intention de vous faire gagner de l'argent, il ait décidé de vous confier ses intérêts. Il ne l'a pas fait. Supposons-le. Ah, je vous vois venir. Ah oui, je lui donne rendez-vous en pleine nuit à la Martinière et je le poignarde avant de l'abandonner au bord du Loir. Vous détestiez Pierre Vallard. Enfin, vrai ou faux? Vrai. Mais pas au point de le supprimer. Je ne suis pas un assassin. Ben, prouvez-le. Mais bon sang, mais si je l'avais tué, pourquoi aurais-je attaqué son cousin? Son cousin que j'avais pris pour lui dans l'obscurité. Enfin, c'est bien la preuve de mon innocence. Ou celle de votre machiavélisme. Vous saviez parfaitement qu'il ne s'agissait pas de Pierre Vallard, mais vous l'avez prétendu afin de vous blanchir. Cette attaque n'était qu'une ruse. Raisonnement de tordu. Bon. Revenons-en à cette publicité. C'est de l'obsession. Non, de l'entêtement. Vous me saoulez. J'en suis vraiment désolé. Voici, selon moi, comment les choses se sont passées. Et vous me reprendrez si je me trompe. Lundi, désireux d'acheter la Martinière, Pierre Vallard est entré en contact avec vous. En cachette de sa fiancée. Je pense qu'il voulait lui faire une surprise. Vous lui avez donc donné rendez-vous à la propriété vers 10h du soir. Qui, comme chacun le sait, est l'heure de visite idéale. Vous aviez un prétexte tout trouvé pour justifier cette heure tardive. Lequel? Le fait qu'il y ait un autre acheteur. Enfin, voyons, je connais la chanson. Nous avons déjà quelqu'un sur l'affaire, Monsieur Vallard, quelqu'un de très intéressé. Demain, il sera sûrement trop tard. Enfin, bref, sans méfiance, Pierre Vallard est venu au rendez-vous. Après la visite de la Martinière, ayant simulé une panne, vous êtes monté dans sa voiture. Au cours du trajet, vous avez provoqué un arrêt, prétendant vouloir lui montrer une autre propriété à vendre, et le meurtre a eu lieu. Vous avez alors regagné Chartres pour y abandonner sa voiture rouge et vous êtes revenu à pied à la Martinière où vous attendez votre propre voiture. Quelle imagination, inspecteur! Vous devriez écrire des romans policiers. Je n'aime pas beaucoup ce genre de plaisanterie. Mais alors, qu'attendiez-vous? Que je me mette à crier? Bravo, vous avez tout deviné, vous êtes formidable! Passez-moi les menottes! Oui? Chef. Qu'y a-t-il? Je voudrais vous voir 2 minutes. Oh, d'accord. Vous avez fouillé la maison de Gautier? Oui, tout en comble. Rien d'intéressant? Je crois que si. Mais regardez. Un porte-clés en or? Oui. Avec 2 initiales. PV. Pierre Vallard. Oui. Ah, avec ça. Eh bien, regardez. Gautier est cuit. La petite clé, là. C'est celle de la voiture. Mais où l'avez-vous découvert? Ben, à l'agence. Dans le tiroir du bureau. Ah, parfait. Bon, laissez-moi maintenant. Monsieur Gautier. Oui. Connaissez-vous ce porte-clés? Qu'avez-vous encore inventé? Ah, répondez à ma question. Je ne l'ai jamais vu.
Il appartenait à Pierre Vallard. Et alors? Alors, on vient de le découvrir dans le tiroir de votre bureau. Mais c'est quelqu'un y a mis. Bah, voyons. Enfin, tout ça n'est pas très sérieux. Il faudra revoir votre système de défense, mon garçon. Mais c'est pas à me défendre, puisque je suis innocent. Mais je commence à la barbare, moi. Je comprends rien, tous vos micmacs. Vous feriez mieux de vous occuper du meurtrier qui, lui, se balade en liberté. Mais c'est vous, l'assassin. Répétez ça encore une fois. Lâchez cette lampe, Gauthier, vous m'entendez? Chef, qu'est-ce qui se passe? Attendez, attendez. Gauthier, refaites ce geste. Quoi? Reprenez cette lampe comme si vous vouliez me la flanquer à la figure. Mais faites ce que je vous dis, ne cherchez pas à comprendre. Voilà. Dis donc, chef. Vous avez l'air bizarre. Ramenez-le. L'interrogatoire est terminé. Allô? Ah, je croyais qu'on nous avait coupé, docteur. Oui, je disais que le coupable a été arrêté hier. Non, il n'a pas encore avoué. C'est un dur à cuire, oui. Vous n'avez rien dit à mon oncle? Oui, c'est préférable. L'émotion le tuerait. Bah, ici, c'est assez pénible, bien sûr. Bon, je vous rappellerai demain matin. Au revoir, docteur. Au revoir. Vous téléphoniez à un docteur? Oui, à celui qui soigne mon oncle à Paris. C'est un vieil ami de la famille. Votre oncle ne se porte pas plus mal, au moins? Non. Ah, parce que quand les malheurs commencent... Non, mais nous avons décidé de lui cacher la mort de Pierre. Il n'y survivrait pas. C'est certain, malade comme il est. Il est veuf, je crois. Oui, depuis des années. Comment va mademoiselle Isabelle? Oh, pas bien fort. La tante Élise non plus. Après l'enterrement de Pierre, elle devrait faire un petit voyage. Ah non, elles emmèneraient leur chagrin avec elles. Mieux vaut qu'elles restent là. Avec le temps, tout rentrera dans l'ordre. Et mademoiselle Cécile? Elle recommence à sourire, vous pensez? Pour quelle raison? Mais comment, vous n'êtes pas au courant? Non. Mais on dit en ville que Christophe a été relâché. C'est impossible. Et on l'a vu rentrer chez lui un peu avant midi. Je ne crois pas un mot, c'est invraisemblable. Oh, moi je ne trouve pas, j'ai jamais cru que ce pauvre garçon était coupable. Enfin, il existe des preuves contre lui. Oh, vous savez, des preuves, ça se fabrique. Enfin, s'il est libre, c'est qu'il est innocent, moi je ne sors pas de là. Ah, encore de la visite. Monsieur Jean-François Vallard est-il là? Mais oui, monsieur. Monsieur Vallard! Qu'y a-t-il? Bonjour, monsieur. Bonjour. L'inspecteur Jaubert voudrait vous voir, c'est extrêmement important. Ah, je vous suis, monsieur. Monsieur Vallard, je ne vous cacherai pas que l'enquête est au point mort. L'interrogatoire de Gauthier n'a donné aucun résultat? Oh, rien de satisfaisant. Le gaillard a un excellent alibi. Ou il est protégé, ou il est vraiment innocent. Alors, en attendant de le savoir, je suis momentanément obligé d'importuner l'entourage immédiat de la victime. Aussi, ne vous formalisez pas si je vous pose quelques questions. C'est pas simple routine. Non, mais je comprends très bien. Alors, quel a été votre emploi du temps lundi soir? Lundi? Oui, le soir du crime. Mais j'étais à Paris. Oui, je sais. Voyons, attendez, lundi... Ah, je suis allé au théâtre. Et vous avez vu La Fièvre des Anges à la Comédie de la Harpe, exact? Comment le savez-vous? Je me suis renseigné. Vous aviez fait part de votre projet à votre concierge, ainsi qu'à vos voisins de palier. Oh, c'est possible, je suis très liant. Mais si je comprends bien, vous êtes allé à Paris? Mais j'y ai fait un saut hier soir, en effet. Ça a l'air de vous étonner. Paris n'est qu'à 100 kilomètres. Je désirerais questionner votre oncle au sujet de son fils, et ça m'a été impossible, malheureusement. Alors je me suis rabattu sur son médecin, sur ses domestiques, et j'en ai profité pour m'intéresser un peu à vous. Vous arriviez d'Angleterre, je crois. Oui, j'ai été absent pendant plusieurs mois. Puis-je vous demander les raisons de ce séjour? Pour apprendre l'anglais, tout simplement. Est-ce vous qui aviez décidé ce voyage? Oui. Ne vous seriez-vous pas querellé avec votre oncle avant votre départ? Je ne vois pas l'intérêt de cette question. Mais je vous demande quand même d'y répondre.
Nous nous étions un peu disputés. Ça nous arrivait de temps en temps. Oui, comme dans toutes les familles, oui. Mais quels sont vos moyens d'existence, monsieur Vallard? J'écris des romans et je cherche un éditeur. Oui, on m'a dit que vous aviez quelques dettes. Oh, bah, comme tout le monde, les temps sont durs. Oui. Enfin, quel est le rapport entre tout cela et la mort de Pierre? Aucun rapport. Depuis des années, votre oncle vous reproche de ne pas travailler et de vivre à ses crochets. Vrai ou faux? Vrai? Et c'est lui qui vous a expédié de force en Angleterre, n'est-ce pas? J'en conviens, oui. J'avais un peu honte à l'avouer, mais je lui ai promis de devenir un garçon sérieux et nous nous sommes réconciliés la veille de mon départ. Eh bien, voilà qui est parfait. Eh bien, je n'ai plus rien à vous demander, monsieur Vallard. Ah, si, encore un détail. Votre oncle possède une grosse fortune, je crois. Oui. Maintenant que son fils est mort, qui devient son héritier? Mais vous, cher monsieur Vallard, vous n'ayez pas l'air de le découvrir. Alors, à quelle heure avez-vous rendu visite à Christophe Gautier hier? Je sais pas, 3h, 3h15. Oui, mademoiselle Grandpré, la secrétaire de Gautier, qui est une personne très méthodique, découpe et colle sur un album toutes les publicités émises par l'agence et publiées dans la presse. Or, après votre départ, elle n'a pu retrouver la dépêche de lundi qu'elle avait laissée sur le bureau de son patron, et elle est formelle sur ce point. Et vous m'accusez d'avoir dérobé ce journal? Je n'ai pas dit ça. Presque. Pourquoi l'aurais-je fait? Mais je l'ignore. Peut-être pour y découper une petite annonce. Celle que vous avez découverte dans le portefeuille de Pierre? Exactement. Et si j'ai volé ce journal, c'est que j'ai tué mon cousin. C'est bien ce que vous voulez insinuer, n'est-ce pas? Vous aviez un excellent motif pour supprimer Pierre Vallard. L'héritage. C'est monstrueux! J'aimais énormément mon cousin. Oui, je le sais. Vous le dites à tout le monde. Enfin, supposons tout de même que vous ayez décidé de vous en débarrasser. Alors, je vais vous raconter comment les choses auraient pu se passer. Mais ça ne m'intéresse pas! Mais vous m'écouterez quand même. Votre cousin téléphonant chaque jour à Paris pour avoir des nouvelles de son père, il vous a eu lundi matin au bout du fil. Vous avez prétendu vouloir le voir de toute urgence et dans le plus grand secret. Vous lui avez donc donné rendez-vous à Chartres pour le soir même. Sur ce, vous avez raconté à vos voisins que vous alliez au théâtre et vous avez pris le train. À Chartres, votre cousin vous attendait avec sa voiture de sport. Vous avez roulé avec lui, puis vous lui avez proposé de faire quelques pas au bord du Loir. Et c'est au cours de cette promenade que vous l'avez poignardé. Mais vous êtes fou! Vous êtes alors retourné à Chartres. Vous avez laissé la voiture devant la gare et repris le train pour Paris. C'est faux! Je vous dis, c'est faux! Mais pourquoi tremblez-vous? Mais je ne tremble pas! Vous avez tué votre cousin? Non! Vous n'avez aucune preuve contre moi! Tout est dans votre tête! Enfin, quand je pense que vous relâchez Gautier, que tout accuse, sa haine pour Pierre, cette coupure de journal, le porte-clés... Quel porte-clés? Mais celui qui... Mais vous venez de vous trahir, monsieur Vallard. Personne n'est au courant de la découverte de ce porte-clés. Personne sauf l'assassin. Alors je vous accuse du meurtre de votre cousin, vous feriez mieux d'avouer. D'accord. J'avoue tout ce que vous voulez. J'ai tué Pierre pour hériter de son argent. Et je m'y suis pris ainsi que vous l'avez raconté, oui. L'important pour moi était de le supprimer avant son mariage. Sans cela, Isabelle Lafont aurait pu hériter à sa place. Mmh. Parlez-moi de l'extrait de journal. Oui, au début, je voulais faire croire qu'on avait tué Pierre pour le voler. Je lui avais donc pris son portefeuille. Et puis plus tard, après avoir été attaqué par Gautier, j'ai cru plus intelligent d'essayer de lui mettre le crime sur le dos. J'aurais mieux fait de me tenir tranquille. Oui, vous avez volé le journal et glissé la coupure dans le portefeuille que vous avez été remettre dans la veste de votre cousin. Et le porte-clés? Je l'avais machinalement mis dans ma poche le soir du crime. L'idée m'est venue de l'abandonner chez Gautier afin de le compromettre définitivement. Profitant de ce qu'il m'avait laissé seul un instant, je l'ai déposé dans le tiroir de son bureau. Vous en avez un peu trop fait, monsieur Vallard, et c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Le journal, le porte-clés. Il y avait vraiment trop de preuves contre ce pauvre Gautier. Vous avez pourtant bien failli marcher. Non. Car un détail m'a vite ouvert les yeux, et un détail que vous ignoriez. Lequel? Christophe Gautier est gaucher.
et les traces laissées sur le sol révélaient que Pierre Vallard et son meurtrier étaient face à face. Or, d'après le médecin légiste, la forme des blessures indique que les coups ont été portés dans un mouvement latéral de droite à gauche. L'assassin ne pouvait donc pas être un gaucher. Ah, vous n'avez vraiment pas eu de chance, monsieur Vallard.